Voilà, ça c'est la platine que j'avais déjà essayé de souder dans une précédente vidéo. Là, vu que je me suis racheté un nouveau poste, le nouveau poste fonctionne largement mieux et je vais venir souder cet écrou directement à la plaque pour pouvoir ne pas avoir à avoir hop. Pour ne pas avoir les deux plaques superposées les uns au-dessus de l'autre et là juste avoir une seule plaque. Voilà. Donc le principe est toujours le même, tu repères tes trous. Voilà. Moi, sur du Peugeot il y a quatre fixations vu que là c'était une fixation à air. Moi j'ai toujours mes trous pour pouvoir venir la fixer. Le seul truc qui va changer c'est qu'au lieu d'avoir des longues vis pour pouvoir serrer les deux platines. Hein? Là, j'en aurais besoin de ceux qui sont déjà avec la turbine à air et juste venir fixer ici. Tu vois, je peux venir en fixer juste. Ce qui est bien avec le Peugeot, c'est que je peux en fixer soit deux, soit les quatre. Avec quand tu as trois fixations comme on a eu pour celui-ci, t'es obligé de mettre les trois. Sinon, tu vas plier la plaque, tu vas te mettre de travers et tu vas tout abîmer. Là sur le Peugeot. Ça sera mieux. Voilà. Alors, j'en ai fait une vidéo de ce poste-là. Si tu peux aller là, si tu veux aller la voir, ça s'affichera par ici. Tu vois là. Si tu veux aller voir, je te le conseille. C'est vraiment un truc bas de gamme. Bon, tu le trouveras chez Lidl. Mais je te le conseille si tu veux faire vraiment des trucs artisanal. Tu vois, amateur. Sans vraiment être trop professionnel. Plus, il y a des positions comparé à l'autre que j'avais. Là, j'ai le 1.6, 2 et 2.5. Je te laisse aller voir la vidéo que tu vas voir là, affichée. Bon, je suis toujours aussi nul en soudure. Mais bon, voilà. Ça, c'est soudé. Bien sûr, ça brûle. La vis qui était en dessous était pour maintenir l'écrou. Voilà le résultat. Ouais. Je l'ai aussi de la soudure, mais bon, au moins là, les coudes est soudé dessus. Et maintenant, je peux m'en servir correctement. C'est ce que je voulais faire déjà dans la première vidéo. Voilà. Donc, dans quel but que j'ai fait cette vidéo? C'est juste, en fait, je sais très bien que le l'arrache volant magnétique il est à 3 euros, c'est vraiment pas cher. Là, je te l'ai fait juste si tu es en galère au moment précis où tu en as besoin, de une, soit parce que tu ne le retrouves plus, soit parce que tu l'as cassé, ou soit parce que le délai d'attente va être trop long et tu en as besoin tout de suite. Là, c'est juste pour te faire voir. Juste pour te faire voir comment le fabriquer soi-même. Certes, lui que je viens de souder, je ne vais pas te le montrer tout simplement parce que je suis sur un projet actuellement, le moteur est toujours démonté, je ne pourrais pas te le faire voir. Par contre, si je devrais devoir le réutiliser, là tu le verras en vidéo. Donc, si ça t'a appris quelque chose,
de pouvoir fabriquer toi-même ton arrache volant si tu en as besoin tout de suite, mets un commentaire, je te le lirai, je te répondrai. Et si tu as besoin par exemple d'un autre outil que tu sais pas comment fabriquer, mets-le moi aussi en commentaire. Si moi-même je vois comment pouvoir le fabriquer, je le fabriquerai et je le posterai en vidéo. Les L'arrache volant que je viens de fabriquer, ils peuvent être universels ou non, tu vois. Lui là sur le Peugeot, lui là que je viens de souder, je pourrais très bien faire les trois trous de fixation pour le moteur Minarelli. Moi, ça va pas me servir. Le moteur Minarelli, j'en ai un, mais je l'utilise pas. J'ai pas de projet avec cela. Moi, je serais surtout sur le moteur Peugeot. Voilà. Par contre, les seuls moteurs Minarelli que je ferai, ce sera sûrement de la bêta boîte et autre chose. Donc, si ça t'a plu, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mets un commentaire, mets un like et n'hésite pas à le faire partager sur des forums ou alors des connaissances pareil qu'ils ont besoin d'un outil tout de suite et à l'occurrence pour l'arrache volant et qui ils savent pas le faire, ils savent pas le fabriquer par eux-mêmes. Voilà. À la prochaine. Et je t'invite à aller voir mes prochaines vidéos qui s'afficheront là dans le coin, une qui s'affichera ici et là, et t'abonner à ici. À plus! Ah ouais? Je sais pas si t'as vu, putain, je suis inversé. Je sais pas si t'as vu, là, tu auras un petit rectangle marqué YouTube. Abonne-toi.